de l'Étoile Noire ne sont pas à bord de cet appareil, monseigneur. Où sont les plans codés que vous avez interceptés? Parlez! Qu'avez-vous fait de ces plans? Non, on n'a intercepté aucun plan secret. C'est un vaisseau consulaire, en mission diplomatique, monseigneur. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? Commodore, fouillez ce vaisseau de fond en comble. Qu'on retrouve ses plans et qu'on m'amène les passagers vivants. Dark Vador, cette félonie porte bien votre marque. Le siège impérial saura punir cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique. Trêve de faux-semblants, Altesse. Cette fois, vous n'êtes pas en mission de bienfaisance. Nous avons capté des messages émanant de plusieurs satellites rebelles. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate, en mission à Alderaan. Vous avez parti lié avec les rebelles. Vous avez trahi. Qu'on l'emmène! La garder ici serait dangereux. Si on la prend cela, ça peut créer un courant de sympathie pour la rébellion et le Sénat. La filière de la rébellion remonte à la princesse. Elle seule peut nous mener à la base secrète des conjurés. Elle se laissera mourir pour ne pas les trahir. Je la ferai parler. Vous, annoncez au Sénat que son vaisseau a été perdu corps et biens. Seigneur Vador, les plans de l'Étoile Noire ne sont pas à bord de cet appareil. Aucun message n'a pu être transmis. Une capsule de sauvetage a décollé pendant la bataille, mais il n'y avait pas d'être vivant à bord. La princesse a dû cacher les plans dans cette capsule. Commodore, formez une patrouille pour la récupérer. Vous en prendrez le commandement. Personne ne se mettra sur notre route. À vos ordres.